Bonjour à tous et à toutes, c'est Alex Agit, j'espère que vous allez bien car moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour le 23e épisode de Pokémon Showdown. Toujours en random battle, je me suis trompé, c'est pas grave, vite on le lance, sinon on va être en retard sur l'horaire et on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de trouver des mecs. On a certainement pas le temps. C'est parti, random battle. C'est parti, j'ai... Ok. Quatox contre Colomar, c'est parti. Alors, Colomar peut faire déjà Dansraco. On va faire clonage. On va faire clonage. On va commencer doucement avec un petit clonage des familles. Je pense que c'est le meilleur truc à faire. Parce que, au pire, c'est fait une Dansraco, il me dépasse, mais il y a le clonage. Au pire. Et au pire, s'il switch, s'il se dit. Ah, je peux rien faire contre lui. Je change. Il va changer sur un autre Pokémon et ça m'arrangera aussi. On va voir ce qu'il fait. Ok, switch sur Tocorico. T'as plus Coco. Ok. Voilà, donc je fais substitute. Voilà. Et on va faire Gunk Shot. Voilà, on va faire une attaque poison, ça m'a. Et je change sur Solarock. Gunkshot, loop, bien sûr, il faut que ça loop, sinon c'est pas drôle. Bah là, je vais viser stab, je pense. Oui, on va viser le stab, on va faire Drain Punch. Il retire, il envoie Cap Humain. Je fais Drain Punch. Ce qui, le one shot. Très bien, une bonne journée, au revoir. Ce mec ne sait pas jouer. Ce mec ne sait pas jouer. Et on voit Scalproi. Je vois pas pourquoi Scalproi. Drain Punch, super efficace. Une bonne journée, au revoir, je pense. Ok, il dit qu'il a rien pour me toucher. Il dit you can sweep my whole team. Tu peux battre toute enfin toute mon équipe entière. On va rester sur Drain Punch. Hein. Vraiment, est-ce que vraiment ça change quelque chose dans une mesure de se dire oui, ok, il y a Cubit, ok, qui peut prendre mes attaques. It's trap! Gunshot. Bif. Encore. Genre vraiment. Très bien, bon moi. Ok, il mange une puce tap péri, ce qui permet d'attaquer en avant. Il fait Destiny Bunt. Et c'est la mort. Bah tu vois. Et bah voilà. Ok, bon bah on va avoir notre Pokémon. On va envoyer Lugarok Sama. Sama Lugarok. Salut. Je m'appelle Lugarok. Tu veux devenir mon ami? Non. Tu veux devenir pas mon ami? Rip, il reste. Will-wisp. Ouh, il mist. Ouh, il mist. Ouh, c'est pas bien missé les attaques. Hein. Voilà, c'est la merde. Oh, crunch, miam. Bonne journée, au revoir. Allez, salut. Allez, Tocorico. Reste Tocorico, Bisharp. C'est bon. Easy Money. Fire Fang, sa mère. Oh, punaise. Le double sweep. Lycanroc. GG. Ok, la forfaite. Très bien, une bonne journée, au revoir. Allez,
C'est parti. On en refait un autre. On a 5 minutes de vidéo, très bien. J'ai un petit compteur en dessous, c'est cool maintenant. Et... Donc on est contre un mec random, alors il envoie... Rotom, moi j'ai Lunala. Ok, une bonne journée, au revoir. Une bonne journée. Ok, je fais un Kalman gratos. Au revoir. Furfrou, le petit coifferel. Kalman, oh yeah. Est-ce qu'on fait Focus Blast? Allez, on est des fous. On fait Focus Blast, on fait Focus Miss, on fait Focus Loop. Exploforce. Ok, fais garde, côte. Coton de garde. Oui, mais en fait, je suis spécial, en fait. En fait, je suis défensif. Enfin, je suis dans le spécial, là. Pas dans le physique. Voilà, voilà. Je vous explique, en fait. En fait, je crois que vous avez perdu. Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, mais je crois que vous avez perdu. C'est mon avis. Pas sûr. Je peux pas m'avancer. Bref. Ça me rappelle le 3 combats en 10 minutes. Genre, littéralement, on a fait 3 combats en un peu plus de 10 minutes. Genre, 2 VTF. Voyons. On va voir qu'est-ce qu'elle peut envoyer. Ou qu'est-ce qu'elle peut faire contre notre sweep. Sweep Lunala. Il nous voit Toco. Puisque tu as... D'accord. Non, mais... Non mais y a pas de problème, vous pouvez rage quit. Non mais y a pas de problème. C'est juste que à cause de vous, ma vidéo, eh ben elle va être de moins bonne qualité et personne va la regarder. Pas bravo. Ben là on a fait à peine 6 minutes. Donc ce que je vous propose pour combler un peu de temps et pour un peu s'amuser, on va prendre, on va regarder un combat OU random qu'on trouve. Voilà, et on regarde, c'est parti. Oui, je... des trucs comme ça. C'est drôle. C'est parti, on est dans plein un combat, c'est parti. Ok, donc, un Landorus et un Téléfix. Téléfix méga évolue. Ok, le U-turn, c'est logique. Je pense qu'il allait faire feu follet en plus, le Téléfix. Il va changer sur... le Mawile, très bonne idée. Même s'il va surfaufoler. Ouais, il va surfaufoler. En fait, il aurait dû plutôt envoyer sur Motisma. Ou Tokopisco. Parce que Tokopisco... Ouais, bref. Il méga évolue son Mistibule, ok. Pour faire Kenry, je pense. Ce qui va le mettre à bas vie, je pense qu'il tank. Oui, tank. C'est ça qu'on veut. Le sabotage qui va rien faire. Il devrait... retirer son Ténéfix, voilà, c'est ce qu'il fait. Ouais, c'est assez rapide, hein. Il envoie Meganium, il lui fait Canary. Ok, il tank plutôt bien. Je pense qu'il... Ah non, il reste, il s'est resté. Ok, il fait Vampigraine. Firefang qui fait de bons dégâts, mais ça tue pas. Mais ça peut tuer... Ah non, ça ne tue pas le tour suivant à cause des Lichides en plus. Il fait abri pour pouvoir profiter des Vampigraines encore un tour. Très bien. Donc voilà, Firefang qui protège. Ce qui le place à au-dessus de la moitié de la vie. Donc à 60%, voilà, 65%. Non mais ouais, Mawile, ouais, il devrait changer. Il reste. Il fait Ancient Power. L'autre fait Firefang. Ça tue pas. Ça met en bas en vie, mais ça tue pas. Les restes, ils sont là. La Lichide, il est là. La burn va le tuer. Il va faire abri sur certains. Il fait abri. Il refait Crofeu. Ça va mourir du Lichide plus la burn. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, 4% plus la burn qui va achever le Mawile sans rien faire. Et le Pokémon type plante est moins TV. Il fait un toxique, donc on sait son set complet. Il lui fait sabotage pour enlever les restes, ce qui est très très bien joué de la part de l'adversaire. Mais c'est un peu tard dans le jeu. Il va envoyer Kartana. Il fait PC feu anticipé, très bien joué. Il est mort. Sinon, on joue avec PC feu, sabotage, séisme et d'autres trucs.
Ok, il fait déjà directement une attaque type feu pour l'éliminer. C'est bien joué. Il obtient en plus le boost en attaque spéciale. Il envoie directement en face. Il faut switcher. Il envoie le petit bazookan qui se fait one shot par l'attaque type roche qui était logique. Il aurait pu envoyer le Tenfix à la mort qui était à 4%, mais bon, bref. Il envoie Froussardine. De l'autre côté, on envoie Rotom qui le bloque complètement. Il fait ébullition, ce qui fait rien du tout. Peut-être la brûlure. Oui, la brûlure. Mais ça ne changera absolument rien du tout. Il fait vol switch, ce qui retire la moitié de la vie. Parce que faut quand même pas se le cacher. Il a une bonne défense spéciale. Le petit Froussardine. Il fait demi-tour sur le Tapu Fini. Il envoie le petit Meganium. Il fait le Moonblast qui tank. Il va faire l'Elish Seed. Très très bien joué de la part du joueur de Meganium. Il va faire sur certains abris ce tour. Non, il fait abri. Le Moonblast qui va dans le vide. Le joueur de Meganium a tout intérêt de switcher sur Froussardine. Ou non, pas sur lui. Voilà, donc là il a perdu l'Elixir sur son terrain, il me semble. Il reste. Non, il reste, il reste, il reste. Je dis n'importe quoi, il reste. Il envoie Titan, très bien. Qui pourra se soigner, mais je vois pas qu'est-ce qu'il peut faire face à un Tapu Fini. Il change de l'autre côté, il met son Motisma. Il fait séisme, mais malheureusement, il a lévitation. Le petit Froussardine ne peut pas faire grand-chose devant un Motisma. Il est obligé de changer sur Pyrax, qui est son seul Pokémon. Le Volt Switch va être pris très très mal. Il va envoyer Terrakium. Terrakium qui est sûr de tuer le Pyrax, ce qui est le cas. De toute façon, il ne peut plus rien faire, le joueur de Meganium. Close combat, ça l'achève. Fin du game, GG. Il manque plus que le petit Froussardine, mais le petit Froussardine. Ok, ils ont forfait, mais oui. C'était facile, c'était très très rapide. En plus, ils jouaient en mode je te réponds direct, ils réfléchissaient même pas, ils allaient hyper vite. Bon, j'aime bien aussi ce format de regarder des matchs, mais bon, je sais pas si ça vous plaît. Je vais mettre une petite fiche en haut à droite. Voulez-vous que les combats Showdown soient des. On regarde des matchs au lieu d'en faire? Vous me direz aussi dans les commentaires si ça vous plaît pour argumenter. Je vais pas augmenter en disant oui mais parce que blablabla. Non, je vais mettre oui ou non. Après dans le commentaire, libre à vous de vous dire oui, j'aimerais bien ça. Non, mais tu peux le faire en fin de vidéo pour combler. Comme dans le Scala où on a fait 6 minutes. Enfin en 6 minutes on a fait deux combats. Là on a fait 6 minutes de talking face à un match assez rapide d'ailleurs. Donc ma voix est un peu sèche. Faudrait que je boive. Bref. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner. Sur ce, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Salut à tous!